Salut à tous, on se retrouve sur Journal Amour Rugby Challenge 2, toujours. Et on va faire le gros match du top 14 de cette journée, c'est-à-dire le Stade Toulousain, que je ne prendrai pas. Et oui, ça va me coûter, mais je vais jouer avec le Racing, une fois de plus. Je les prends souvent ces derniers temps, même s'ils sont bien notés, hein, on voit. Parce que j'ai fait un patch, et donc on voit que les notes sont à jour. Il y a la section paloise, etc. C'est plutôt sympa. J'ai mis un patch. Les équipes nationales, etc. aussi sont à jour. D'ailleurs, vite fait, on va regarder la note de l'équipe de France. Voir si... Ouais, bon. Ils sont gentils avec les Français. Je sais pas si ça vaut vraiment une 80, la France. Et voilà, vous voyez, équipe personnalisée, ben, y a l'aviron bâillonné. Il y a des trucs comme ça. Nous, on va faire donc le Racing. Désolé pour ce petit passage, je vais vous montrer ça. On va prendre le Racing. C'est le match de dimanche qui se jouera alors au Stadium. Alors, ils s'appellent tous Stadium, les stades. On peut prendre celui-là, un qui ressemble un peu au Stadium de Toulouse. Je sais pas lequel prendre. Ovali Top 14 Stadium, ouais, il est grand, hein. C'est quand même moins grand normalement. Je sais pas trop, il y en a pas en fait qui lui ressemble vraiment au Stadium. Bon, ouais, Sydney Football Stadium, hein, c'est pas grave. Ça sera deux jours, ce sera dimanche après-midi. Et le Toulousain, le stade, ce sera beau temps, parce que Toulouse, il fait toujours beau. Et donc on va prendre le Racing et on y va. Le Stade Toulousain qui joue gros, hein, parce qu'à force, le top 6 n'est plus si certain que ça. On va regarder un peu les effectifs avec cette mise à jour et le patch que j'ai mis. Normalement, vous verrez qu'il y a les bons joueurs, Toby Flood, Dan Carter, etc. Donc on regarde Toulouse, donc l'équipe que moi je prends d'accord, sauf que les blacks à Toulouse sont blancs. Regardez Johnston, du sautoir, regardez. Même pas trop, ils l'ont fait blanc. La foule est impatiente que les choses débutent. L'ambiance commence à monter. Possible. Bon, le papier, pas grave. C'est équitable, équilibré. La victoire reviendra donc à côté Racing, donc l'équipe en a joué, ben voilà. Hein. Yanyanga. Il est black normal. On a Dan Carter, évidemment. On va pouvoir pas mal l'utiliser, je pense. Magnifique match entre ces deux équipes. Ça devrait être sympa. Nous, on va jouer le Racing. Alors, je les joue assez souvent, le Racing, ces derniers temps. Et à chaque fois, je crois que j'ai perdu. Commence. Donc, on va voir. Coup d'envoi récupéré. Ah là, c'est une passe en avant. Ouais, une passe en avant, ben, ça commence bien. Un en avant et on va pouvoir. On a une bonne mêlée d'entrée de jeu. Touché. Va falloir bien l'utiliser. C'est parti. Des deux côtés, grosse puissance sur l'impact. Ça va. On va réussir à conserver au moins la balle, hein, normalement. Méfiance parce que là on la garde. Allez, le ballon est jouable. Carter, qu'est-ce qu'il va nous faire? Retour intérieur, ça va pas mal. Oh, c'est pas mal. Chris Mazoué et une longue sautée. Aïe. Nyanga qui peut faire un mal à ses anciens équipiers. Non, j'essaie de garder un peu la balle au sol, mais là ils ont mis 3 ans à arriver, évidemment. Ouais. Évidemment, on la perd et ils vont pouvoir se dégager tranquillement. Allez, du lin, une chandelle. Ah, j'ai pas eu le temps. Ça va, il y aura le soutien, pas de panique. On va faire du jeu. Non, on va pas faire du jeu. Je sais pas ce qu'il nous a fait, Machano. On gratte, on récupère, ça va. Non, alors on aura du mal un peu. Non, ça, allez. Du moulin. Eh bien, fais ta passe du moulin. Charancy, le roux. Allez, Thomas. Thomas, il crochette. Non, il est bien attrapé. Dommage. Pour Carter, il va utiliser son pied. On va aller trouver une touche. Non, oh, je voulais aller chercher une touche à 5 mètres de la ligne du Stade Toulousain. On s'est raté. Et là, attention, on n'est pas organisé en défense. Je sais pas ce qu'ils ont tenté, mais je pense qu'ils peuvent faire une jolie relance. On se méfie.
Oh, oui, il sort. Alors là, il faut en profiter. Il va au sol pour récupérer ce ballon. On les laisse, regardez, on met personne dans le rec, on se place bien en défense. Qui passe. Et évidemment, il nous casse tous les plaquages à ce moment-là. Et regardez, moins 15, j'ai pas de 15, j'ai pas de 15. Un peu de champ devant lui. Aïe 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 aïe. Allez, Carter, faut revenir. Machano. Non. Oh, ça commence super mal. Et ils marquent leur premier essai dans ce match. Ah là 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 là, ça fait mal ça. Quel point pouvait être brillant. Ah, ils nous cassent tous les plaquages. Fantastique. Ils ont très bien joué. Et après, Picamol un peu trop rapide. Et Toby Flood, évidemment. Il va la réussir sans problème. J'ai des problèmes de numéros. Vous avez vu, il n'y a pas les numéros. Le patch, au moins, ils sont très peu voyants en fait. Je crois qu'ils y sont, mais on voit à peine. Quelques points au passage. Allez, c'est pas grave. On panique pas. C'est reparti. Mais bon. Coup d'envoi bien capté. Aïe 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 aïe. Un bon tampon. Allez. Libérez le ballon. Est contesté. Et voilà le ballon. Il est passé. Un bon tampon. Oui, ils vont réussir. Ah. Voilà. Non, il nous casse le plaquage. Et il a... il avait réussi à nous casser le premier plaquage quand même et à ne pas sortir en touche. Hein. Chapeau Médard. Mais on a réussi avec un deuxième plaquage à aller le chercher. Allez. Récupère ce ballon. Avec on essaie de pousser. Si on arrive à avancer un peu. Non. Oh, il faut la sortir. Faut la sortir. Contrôlé à l'arrière du mall. Je sais pas pourquoi c'est Benarouz qui est là. Allez. Allez Thomas. Allez Thomas. C'est la ligne des jusqu'au bout de la ligne. Non. Ah, j'aurais dû essayer de. De longue percée. Ah, j'ai. Allez, le soutien qui. Ah, il met 3 ans à arriver, je pourrais rien faire. Récupéré, bien joué. Je bourrine sur les touches pour le faire venir, mais il n'y a rien à faire. Alors là, faut pas se faire avoir. Allez, très bon. Voilà. Et on en le touche. Met en touche. Allez, on va faire un alignement complet. Oh, attends, on va la donner à Nyanga. Tout au bout. Nyanga, très très bon sauteur. Hein. Il manque d'ailleurs à le Toulouse. Troisième ligne côté ouvert. Oh, gagne par contre, ça va, libérer hein. Le ballon. C'est rapidement remis sur ses pieds pour contester. Allez. Le ballon. Carter. Ouais, ballon qui peut être récupéré. Puis un peu court là avec Carter. C'est pas grave, il y a du lin. Jeu au pied sans problème pour la défense. Ils sont pas hors jeu, sérieux, ils arrivent libérer super le vite. Et ils ont récupéré la balle. Hein. Bon, ah, ils vont nous bouffer dans les recs à chaque fois. Ça va être compliqué. Crochet intérieur, il évite le plaqueur. Allez. Allez Thomas, faut monter. Oh, piégé par voilà. La fin de passe. Et le ballon on défend pas si mal que ça, hein, tant qu'il nous casse pas tous les plaquages, on est plutôt pas mal positionné. Donc ça ce serait pas mal si on arrivait. Kroger, le ouais, capitaine impeccable. Oh lock. Hey, bon travail en touche. Sérieux, comment on fait un en avant pareil, Machano. T'es nul. Flexion. Ah là 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 là, et 25ème minute, 7-0 toujours pour le Stade Toulousain. Énorme impact. Bonne entrée en mêlée. On continue à bien être. Oh là là, ils font une très bonne mêlée aussi. On n'arrivera pas à la récupérer, c'est dommage. On faisait une mêlée plutôt pas mal. Oh, par contre, Machano. Allez. Allez. Oh, j'ai cru. On la récupérera pas. Vaut mieux se placer. Et ne pas les laisser relancer. Il casse le placard. Ah, voilà, bien. Ballon mort et ça nous fait une très très bonne mêlée. Touché. À 5 mètres de la ligne pour aller mettre cet essai. On peut le faire. Si on arrive à garder la balle en mêlée, ça devrait être bon. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on tente? J'ai envie de tenter le petit côté. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon, je sais pas ce qu'ils nous font là. Il est allé en touche. À suivre. Voilà, voilà. Espérons que sur Rugby Challenge 3 quand même il y ait tous ces trucs qui soient enlevés quand même, qui soient mis de façon un peu meilleure parce que là c'est n'importe quoi. Quand même. Il avance ce maul. Même à niveau amateur, ils font pas des erreurs pareilles quoi. Johnston trouve du soutien. Oh là là, et par contre après eux là, ils nous... Thomas il reviendra pas, hein, il rattrapera pas UG. Et il va aller marquer tout seul. Ah, Dulin qui va aller un peu plus vite, mais il pouvait pas revenir. Et ça commence super mal. On a pu voir des choses de très belle qualité.
Mais il était où là, mon 15 là? Il est là, il est pris là. Il était impressionnant. Ouais. Allez, maintenant, je me fais trop vite prendre avec Dulin en fait. C'était pas moi qui le contrôlais, il s'est fait. Vers les perches, il s'est fait éliminer très vite et voilà. Et ça fait 14-0, ce serait bien de mettre des points avant la mi-temps. Allez, on va essayer quand même d'aller en mettre pour garder espoir. Ah oui, 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 il m'en récupère quand même pas la balle. Il a mis un gros coup de rêve. Ah, et puis il repasse après contact de 15 mètres hein, juste après. Il n'y avait pas un avant. J'ai commencé à rager, je vous annonce. Regardez toutes ces passes après contact, on ne peut rien faire. Hein. C'est une passe épouvantable. Ils font que ça. C'est une interception. Bon, là, de toute façon, on perd toutes les balles dans les rucks. Donc, l'avantage, on n'en profite même pas. Non, mais j'avais réglé un peu les trucs pour qu'il y ait un peu moins de passes après contact, mais là c'est n'importe quoi, il y en a beaucoup trop. Allez, on va tenter quand même. Allez, Dumoulin. Retour intérieur, Nyanga, ça c'est pas mal. Nyanga, allez, Mazoué, qui fixe, qui donne. Oh non, Charancy. Sérieux, il faut la leur laisser. Ouais, là, c'est l'avantage terminé. Sérieux, Charancy qui nous fait un en avant. Ridicule, alors qu'on pouvait revenir là. On pouvait se remettre un peu dans le bain. Il y a encore quelques places libres, mais le stade n'est pas loin d'être. Pas de panique. Hein. On peut mettre beaucoup de points en une mi-temps. Coup d'envoi bien réceptionné. Mais surtout ne pas perdre la balle là. Oh là là, il nous gratte le ballon comme ça. Sérieusement. Il est amené au sol. Ah puis là on perdra pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire là. Allez, j'ai cru qu'on allait pouvoir la récupérer. Même Eric Bay l'a dit, bon contest mais ça sera pas suffisant. Flynn à l'origine de ce run. Je le sens mal. Oh, c'est un bordel là. Avec leur passe après contact, je suis obligé de. Allez, Chavancy. Oh, ça va, on a. Oh, il se rattrape, Chavancy, après son en avant. Là, il fait un bon plaquage en poussant Médard. Hein. On a eu chaud. Qu'est-ce qu'on peut tenter? Kruger récupère ce ballon. Bonne libération. Allez, du ballon. Important d'avoir des ballons. C'est du calcon, je peux pas taper au pied déjà. Écarter le ballon. Épouvantable. Oh là 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 là, mais flexion. Cette organisation là, c'est pas possible dans les lignes arrière. Faudrait la récupérer la mêlée, mais ça n'arrivera pas. Hein. On va pas la récupérer. Oh là là. Sympa bon. Ah, quelle passe mauvaise. On monte vite. Oh, et ce rafou qui nous a mis. Avantage. Bon, eux aussi, ils ratent de sacrées occasions. Ce qui nous permet qu'on ait encore plus ou moins dans le match malgré 2 essais à 0. Allez, faut la prendre, ce ballon mêlé. Ah, bonne mêlée. Le ballon est jouable. Allez, maintenant. Dumoulin. On retente pareil, le retour inter. Ah, je voulais la donner à Nyanga par Mazoué. Et regardez ça, ils viennent pas là, mais mon soutien. Et voilà, on la perd. Ballon récupéré. Picamol récupère ce ballon. Ils nous font mal. Avantage. Allez, Zarzewski. L'arbitre qui leur laisse l'avantage. On va la perdre. C'était un bon plaquage. Il le met dans le terminé. À gauche, je sens qu'il y a peut-être du. Ah, quelle passe mauvaise. Allez, mais fais ta. Mais pourquoi il fait pas sa passe? On dirait qu'il s'est blessé. Ah, parce qu'il était sa blessé. Chavancy, on fait entrer qui? Je sais pas. Rémi Thalès. Peut-être Thalès, ouais. Allez. T'as cogné lors de l'impact et il est tombé très violemment. Bon, ça lui fait une mêlée pour nous encore, mais plus que 25 minutes pour aller chercher ce match, faut réagir. Le truc c'est que je fais toujours en une fois les vidéos, sinon ce serait de la triche, donc bon, si je reste avec un score vierge, ça ferait un peu ridicule. Allez, Carter. Quoique non, allez, on tente. Allez, Nyanga.
Nyanga. Le troisième ligne côté. Il fixe, il donne. Allez. Oh non, pourquoi c'est le roux? Il peut allonger sa foulée. Oh là là, il nous intercepte. Repris par ce placage. Oh mais on était au taquet nombreux là sur le soutien là sur le ruck. Je suis dégueu, j'ai cru qu'on allait pouvoir le récupérer. On les met en touche, on ne sort pas de nos 22 mètres. J'aurais dû taper au pied avec Carter, oui. Probablement. C'est limite. Oh oui. Allez, vite Nyanga. Oh là. Toujours en possession du ballon. Hein. On n'arrive pas à sortir la balle. Ah, il faut s'appliquer sur les passes. Allez Nyanga. Oh, et à nouveau une mêlée à 5 mètres. On n'y arrive pas. Hein. C'est catastrophique. Et puis ils ont une mêlée solide. Alors que le stade n'a pas une mêlée énorme ces derniers temps. Mais bon, rien à faire. Et là, la pression. Il tente le petit côté. Voilà, là il a rêvé, là il a tenté un. Il a tenté un truc compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, alignement complet pour qu'il y ait que les arrières, dans l'alignement et qu'on puisse peut-être tenter. Ils ont vraiment été bons sur que ça joue bien en fait à la main. Ouf, bon placage. Allez, Imhoff. Ah, j'aurais dû faire la passe. J'essaie de la garder. Ça va. Allez, ils sont peut-être pas organisés. On peut repartir dans l'autre sens. Carter qui fait une belle passe pour Nyanga. Allez Nyanga. Ah non. Cherche du soutien. Ballon en main. Lâché. Va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. On arrive à conserver. Pacheneau qui passe. On essaie. On balaye le terrain. La passe après contact. Allez Carter. Carter. Bonne prise d'intervalle. Imhoff, et ça va laisser ça. Allez. On y va. Superbe. On se relance dans le match. Aplati. Aïe, je crois que je vais pas réussir. Il va pas réussir à aplatir. Bon, alors, bien malin qui peut dire s'il a aplati. Il a pas réussi à aplatir, je suis sûr. On verra pas, mais je suis sûr qu'il en peut. Eh non. Oh non, oh non. Touché. On réussit enfin à passer la ligne. Je vous aplatis pas. Bonne mêlée. Allez, avec le 8. Mazoé. Boum. Voilà. Départ avec le 8 de Chris Mazoé. Ça va. On va pouvoir mettre la pression pour peut-être aller chercher le match nul. Là, je fais la technique de fourbe. Celle qu'on a tous utilisée en multijoueur. Et la transformation est réussie. Point important, 10 minutes, on peut mettre un essai en tout moment. Vous avez vu, on a fait une relance de 200 mètres tout simplement. Il envoie bien réceptionné. Thales. Belle interception. Sérieux. Allez, très bon placage. Il a traversé. Il garde le ballon sur cette action. Bien défendre, surtout ne pas se prendre un essai là qui réduirait nos espoirs. On dirait que le ballon est par là. Bien organisé. Oh là, cette fois-ci, ça j'aime pas ça. Ils font une passe longue. Allez Thomas. Pas te faire avoir. Il nous casse le plaquage une fois de plus. Et un crochet. Bien Dulin. Et là, le contre-ruck, on va pouvoir récupérer la balle. Et tenter une relance. Allez. Pacheneau, allez. Oh non, Dumoulin, sérieux. C'est pas possible. L'avantage terminé. L'avantage prend fin. Flynn la joue vers l'arrière. Aïe, on perd sur ça là, mais. C'est en avant, c'est pas possible là, à ce moment-là. Mais je comprends que l'équipe de France perd tous ses matchs quand on voit les joueurs qui jouent. Oh non, mais c'est en avant à ce moment-là. Ah ben voilà, on a perdu. C'était largement à sa portée, c'était plutôt pas mal. On a perdu. C'est reparti. Allez. Ah non, on récupère même pas la balle. Allez, mettez-le en touche pour qu'on. Ouais, il nous casse tous les plaquages. Et il finit en touche. En touche. L'équipe du Racing Métro. Pareil, on va alignement complet. On retente ça. Ça peut marcher. Plus que quelques minutes avant la fin du match. Allez, pour aller sauver l'honneur. Belle touche, très propre. Ah bah bravo Machano, très belle passe. Il percute. Allez, Thales. Retour intérieur. Carter. Oh oui. Il on plaquait sa ballon. Allez, Nyanga. Ah, il a pas réussi.
Voilà, récupère. Voilà, d'autres soutiens. Là, on va mettre la pression. Du sautoir. Libère ce ballon. Oh, il va aller en haut. Non, le mettez pas en touche. Et c'est la fin du match. On perd. Une fois de plus. C'est Johnston qui est tout blanc, bizarre. Ils ont perdu le ballon. Et ça, c'est le petit sautoir là-bas, je crois. Et regardez, il a la peau. C'est juste sa tête qui est blanche. C'était vraiment c'est bizarre. De Kaitera à l'ancienne. N'importe quoi. Voilà, ouais, ce soir. À très vite, à la ça m'énerve de perdre sur ça, mais on pouvait pas faire grand chose. On s'est fait bouffer possession à 78-22. En fait, dans les rugs, je n'avais jamais la balle, tout simplement. Les rugs, il n'y avait pas grand chose à faire. Ah voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve au niveau des vidéos de rugby pour les deux demi-finales que je vais faire. Celle entre anglais, c'est les Saris face aux Wasps et les Tigers face au Racing. On verra, et je prendrai toujours l'équipe la moins bien notée. À mon avis, je prendrai les Tigers parce que à mon avis, il doit être moins bien noté que le Racing. Et à mon avis, je prendrai les Wasps face aux Saracens. Voilà, nous on se retrouve donc très très vite. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.